Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Ce stade est magnifique. Et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants. Le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer, pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est le moment de l'hymne national des Pays-Bas. De la France. Quasiment plein, et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. Vu que c'est un petit record, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables, ou les managers essayer de nouvelles choses pour vous. Ça devrait être un match ouvert. On est parti pour 90 minutes. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Le centre. Oh, la tête! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quel centre, mais quel centre! Et forcément, derrière, c'est plus facile. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Aucun round d'observation, c'est le choc attendu. La passe en retrait vers son défenseur. Trotman. Blind. Neymar. Les Pays-Bas. Désoler ses attaquants actions. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Bon, pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Pour trouver la faille dans la défense. Bien joué, il va pouvoir repartir. Dembélé qui tente une passe longue. Il avance bien. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien tenté. C'est détourné le course, mais avantage au défenseur. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il a mis un carton quand même pour la faute précédente. Sidi B, un centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Raphaël Varane. Lemar. Le ballon piqué sur le côté. Le bon jaillissement. Il a préféré jouer la sécurité. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce début de match. Il mène donc 1-0. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Mbappé qui compte. Un coup de sifflet, ce sera une faute.
Kanté. Oh, le beau jet. La frappe. C'est bien fait. Pas de solution, demi-tour. Griezmann qui choisit le côté gauche. Il ne remporte pas. Chance sur ce coup. S'impose physiquement dans ce duel. Ballon intéressant. Non, ça manque d'application. Griezmann. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il glisse le ballon en profondeur. La défense l'a très bien muselé, sans lui laisser l'espace pour ce retour. Chance sur ce tir, le gardien s'en sort bien. Il joue en profondeur. Ça sent la frappe. Il y a danger. Au bon centre, devant le but. C'est dégagé. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. La France qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. L'envoi de cette seconde période a donc été donné. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement. C'est joué long, attention. Il n'était visiblement pas sur la même longueur que son coéquipier. C'est joué long. Blind. Longue ouverture sur le côté. Il décide d'allonger le jeu. Il joue dans l'espace. La passe dans la profondeur. Allez, ça doit faire but. Pas de faute. Ça fait du bien. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Promesse qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Il va au duel. Dembélé, bon jaillissement, il fallait intervenir. La bonne passe. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien fait, ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Il prend sa chance. Premier corner du match. De la tête. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Quelle erreur! Le
Dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est un attaquant qui rentre. Longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. C'est toujours un plaisir partagé.